يحتفظ قال الناس البريزيدان La Chambre entend les observations de la défense de Nunchia sur leur demande écrite. La Chambre n'a toujours pas reçu copie du dit document. Lorsque la Chambre recevra cette demande écrite, nous l'étudierons et rendrons une décision en tant que Chambre note que ce dépôt d'écriture vient un peu tard, comme le prévoit la directive pratique. Veuillez maintenant faire entrer le témoin TCW 797. Le président poursuit. Maître, comme je l'ai dit, nous avons entendu vos observations et votre demande orale et nous l'étudierons en temps utile. Nous avons aussi fait remarquer que cette requête vient un peu tard. La Chambre a émis des instructions sur la façon de présenter les requêtes à la Chambre de première instance. Et nous avons entendu vos observations. Somme chez l'eau. Ah, mais depuis, dans mon domaine, dans mon domaine, la parole est à la partie civile. Maître Picard. Bonjour, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les juges, chers confrères, bonjour à tous. La Chambre, la partie civile, sera prête, laissera la parole à Maître Van Peu et à Maître Simonofort, la parole pour l'interrogatoire de ce témoin. J'aimerais aussi soulever la question suivante. Maître Yanoutsi, qui a pris la parole tout à l'heure, j'ai remarqué qu'il porte quelque chose sur sa toge qui pourrait être une annonce ou une marque de commerce. S'agit-il de quelque chose de commercial? En général, les conseils n'ont pas le droit de porter des logos sur leur toge. Your Honor, it's an ideological. Maître Yanoutsi, il s'agit d'un logo idéologique et n'a rien à voir avec une marque de commerce. Le Président, le Conseil international de Nunchia, veuillez vous lever. Veuillez, s'il vous plaît, retirer ce macaron que vous portez à la toge. Les toges sont réservées à l'usage des juristes et à part ce qui la toge, vous n'avez pas le droit d'emporter quoi que ce soit dessus. Veuillez, je vous prie, retirer ce slogan. Maître Yanoutsi, je ne le ferai pas volontairement, mais si vous m'ordonnez de le faire, j'oublierai. Le Président. Oui, nous vous ordonnons de le retirer à l'instant.
Le président. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Yung King. Question. À part Yung King, avez-vous d'autres noms ou alias? Réponse. Mon alias est Kam. Le président, merci. Monsieur Yung Kim, dans le cadre de votre déposition, veuillez garder l'esprit qu'il y a trois langues de travail et que nous avons des interprètes. Vos propos seront interprétés en anglais et en français. À des fins d'exactitude des transcriptions et des débats, veuillez attendre avant de voir la lumière rouge de votre micro pour parler. De sorte à ce que votre intervention ne soit pas tronquée. Et ainsi, toutes les parties et le public pourra suivre. Monsieur Yung Kim, pouvez-vous nous dire votre date de naissance? Réponse. Je suis né le 9 avril 1942. Question. Où habitez-vous? J'habite présentement au village de Watanak, dans la commune de Watanak, district de Sambo, province de Kratien. Question. Quelle est votre profession? Réponse. Je suis le chef de la commune de Watanak. Et je suis aussi agriculteur. C'est dur. Question. Comment s'appellent vos parents? Réponse. Mon père s'appelait Yon Hak. Question. Et votre mère? Réponse. Ma mère s'appelle Tam Chrey. Question. Comment s'appelle votre épouse? Réponse. Elle s'appelle Lun Eng Sin. Question. Combien d'enfants avez-vous? Réponse. J'ai 7 enfants. 6 garçons et 1 fille. Question. Monsieur Jung Kim, la greffière a indiqué que vous aviez dit qu'à votre connaissance, vous n'aviez aucun lien de parenté ou par alliance avec les parties civiles ou les trois accusés, soit Nguyen Chien, Yang Sari et Kyu Sampan. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact. La greffière a aussi indiqué que vous aviez déjà prêté serment avant de comparaître. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact. Question. Monsieur Yoon Kim, vous déposez ici à titre de témoin. Nous vous attendons maintenant vous informer de vos droits, de vos responsabilités. Qualité de témoin, vous pouvez refuser de répondre à toute question dont la réponse tendrait à vous incriminer. Vous avez donc le droit de vous protéger contre l'incrimination par vos commentaires ou vos réponses. C'est-à-dire si vos réponses pouvaient mener à des poursuites contre vous. Vous avez, par contre, l'obligation de déposer devant la Chambre de première instance en répondant
l'obligation de répondre à toutes les questions que vous posent les juges ou les parties, sauf celles dont la réponse tendrait à vous incriminer. Vous devez dire la vérité que vous avez connue, entendue, dont vous vous souvenez, que vous avez vécue ou observée vous-même. Pour ce qui est des faits allégués dans les questions que vous poseront les parties ou la Chambre. Comprenez-vous ? Réponse : oui, je vous entends. J'entends ce que vous dites. Le président poursuit. Vous avez assis à vos côtés un avocat dont les services ont été retenus par la section d'appui aux témoins et aux experts. Maître, veuillez nous dire votre nom et votre numéro de matricule. Le conseil du témoin. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Lom Bonghain et mon numéro de matricule est 189. Et mon bureau est au 39CD dans le 54 Sang Sok à Phnom Penh. Le Président, je vous remercie. Monsieur Yoon Kim, au cours des dernières années, avez-vous rencontré les enquêteurs du bureau des couches d'instruction des CETC et le cas échéant, combien de fois avez-vous été entendu? Réponse. J'ai été entendu deux fois. La seconde fois était dans le village de Chun Bonte. Question. Vous souvenez-vous de l'année de ces auditions? Il serait idéal, bien sûr, que vous vous souveniez de la date précise, mais l'année suffira. Réponse. C'était en 2009, je crois. Le Président, je vous remercie. Et avant de votre déposition d'aujourd'hui, avez-vous lu les procès-verbaux de vos auditions ou vous les a-t-on lus à voix haute? Réponse. Mon conseil me les a lus. Il m'a lu les déclarations que j'ai faites. D'après vos souvenirs et votre connaissance, pouvez-vous dire si les déclarations que l'on vous a lues sont conformes à celles que vous aviez faites aux enquêteurs du bureau des couches d'instruction en 2009? Réponse. En effet. Mais, j'ajouterai ceci. Il y a certains points relatifs aux années 73 et 74. Il est dit que j'avais participé à des réunions à Nuon Chi en 1973 et en 1974. Dans le document, il est indiqué que c'est en 1974, mais d'après mes souvenirs, cette réunion a eu lieu en 73. Le Président, je vous remercie. La Chambre rappelle à l'accusation. Qu'elle peut commencer l'interrogatoire du témoin.
vous avez la parole. Le procureur. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, bonjour, confrères et toutes les parties et personnes ici présentes. Bonjour, Monsieur Yun Kim. J'ai quelques questions à vous poser ce matin. Dans la période où vous travaillez pour le Parti communiste du Cambodge dans la province de Krachin, et en particulier pendant la période du régime du Cambodge démocratique, avez-vous connu, vu ou entendu des dirigeants du PCK venir à la province de Krachin? Réponse. À l'époque où je travaillais, je ne pouvais comprendre la situation. Mais en 1973, Nunchia a organisé une réunion dans la province de Ambal, dans le district de Krachin. Et tous les chefs de commune de la province de Krachin y étaient convoqués. À l'époque, la province de Krachin n'avait que 3. Il y avait un secteur 505 dans lequel il y avait 3 communes. J'ai rencontré, il y avait la commune de Krachin, de Snoul et de Sambo. C'était les 3 communes. Et c'est la seule fois que j'ai vu Nguyen Chia, je n'ai pas rencontré d'autres dirigeants du PCK. Question. Vous souvenez-vous? Si. Souvenez-vous à l'époque ce qu'avait fait Nguyen Chia et de quoi il avait parlé lors de cette réunion? Réponse. Nguyen Chia a organisé une réunion et a donné des instructions quant à l'organisation de coopératives. Nguyen Chia a dit à tous les participants de mettre en œuvre le système de coopératives et qu'il ne fallait pas être trop pressé dans cette mise en œuvre. Qu'il fallait créer des groupes d'assistance mutuelle ou d'entraide et avoir des coopératives simples pour bien comprendre le concept et de créer des coopératives plus complexes là où les gens avaient bien compris l'idée derrière cette directive et de bien analyser les avantages et les inconvénients de cela. Et il a aussi donné l'instruction qu'il ne fallait pas créer de communauté. Question. Quand Nguyen Chia a donné des instructions pour la création des coopératives, a-t-il aussi invoqué les motifs de cet exercice? Réponse. Il a dit que la situation au Cambodge, en raison de la guerre, en raison du manque d'outils, il fallait se rassembler, de mettre les forces en commun, de créer des groupes d'entraide et d'avoir des coopératives pour assurer notre survie. Question. Dans votre province, à quel moment la première coopérative a-t-elle été mise en place? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. Dans la province de Krachin, après que Nguyen Chia eut tenu des activités d'éducation dans les différents districts, on a commencé à mettre en place des coopératives, mais dans le district de Sambo. À l'époque, le secrétaire du parti pour le district a dû organiser des réunions dans d'autres districts également. Après cette réunion-là, parce qu'on disait
qu'il ne fallait pas commencer à mettre en place des groupes d'entraide, mais plutôt directement mettre en place des coopératives. Et j'ai cru que c'était contraire à ce qu'avait dit Nunchea, parce que cela voulait dire que non seulement des coopératives étaient mises en place, mais que l'on mettait aussi en place un système de cuisine commune. Question. Pendant combien de temps des coopératives ont-elles existé? Réponse. Dans la province de Kratché, des coopératives ont été mises en place progressivement. Elles ont existé jusqu'en 1979. Question. Quelle était la structure des coopératives? Est-ce que cette structure a changé après le 17 avril 1975? Réponse. Au début, dans les petites communes, les coopératives étaient placées sous le contrôle de la commune en question. Mais en 1977, ou plutôt de 71 à 76, j'étais le chef de la commune de Vatanac, après quoi j'étais transféré et je suis devenu le chef de la commune de Sambo. Et j'ai également été transféré à la coopérative de Srai Kun. Il y avait deux coopératives dans cette commune. À l'époque, il n'y avait pas de chef de village. Et l'on a mis en place un groupe qui comportait trois membres. Question. Quel type de gens étaient recrutés ou étaient membres des coopératives? Réponse. Tout le monde devait rester dans la coopérative et y travailler. Par exemple, après 1976, dans chaque coopérative, il y avait un mélange de différents types de personnes. Il y avait des gens qui avaient été évacués des districts et villages environnants. Il y avait deux types d'évacuation, pourrait-on dire. Certaines personnes avaient été évacuées depuis des communes libérées depuis longtemps et ces personnes devaient être transférées vers des communes moins peuplées. Et il y avait aussi les gens du 17 avril qui avaient été évacués vers les coopératives. Question. Je voudrais à présent vous renvoyer au document E3/368, vous y parlez des Cham qui ont été évacués vers la coopérative et qui ont été placés dans la catégorie des nouveaux, au même titre que le peuple du 17 avril. À savoir une centaine de familles environ. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que ces Cham ont été mélangés aux autres dans cette coopérative? Réponse. Concernant ces évacués Cham que l'on a fait vivre dans la coopérative, ils avaient été dans la coopérative avant les gens du 17 avril. Il n'y avait pas de catégorisation du type peuple nouveau. Ces gens étaient considérés comme des gens ordinaires. Par la suite, on a vu que
que les évacués du 17 avril sont arrivés et ont été placés dans les bases. Question. Je vais passer à un autre point, à savoir les arrestations. Est-ce que les instances dirigeantes ont ordonné des arrestations lorsque vous étiez en poste à vos différentes fonctions dans le cadre du régime des Khmers rouges? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. Quand j'étais responsable de la commune de Sambo, dans cette commune, un ordre a été donné par le comité de district. Il s'agissait d'arrêter Tachi, qui était un ancien chef de commune. On ne nous a pas dit que cette personne devait être arrêtée, mais on nous a ordonné de faire en sorte qu'il s'en aille avec des outils, y compris des machettes, afin de donner un coup de main à d'autres. Et par la suite, j'ai appris qu'il n'était jamais revenu et qu'il avait simplement disparu. Je pense donc qu'il a été arrêté et que cet ordre émanait du comité de district. Question. Est-ce que des ordres ont été donnés par d'autres instances que le comité de district concernant des arrestations? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. Je n'en savais rien et je ne sais pas quelle autre instance aurait pu donner ses ordres. Comme je l'ai dit, M. Nonchea a ordonné que des coopératives de bas niveau et de haut niveau soient mises en œuvre, mais ces instructions n'ont pas bien été appliquées parce qu'apparemment certains se sont opposés à lui. Et les gens du district ont apparemment donné des ordres différents des ordres qui avaient été donnés par les autorités de la province. Question. Dans le même document, E3-368, vous dites que Ta Kun était responsable de la section de l'économie et qu'il a été arrêté en 1978. Savez-vous les raisons pour lesquelles il a été arrêté? Réponse. Je ne sais pas grand-chose de l'arrestation de Ta Kun, mais Ta Kun était dans la section de l'économie du district. Par la suite, il a été nommé responsable de la section de l'économie de la province de Kratché. En 1978, il y a eu un grand nombre d'arrestations. Dans ma commune de Sambo, tous les chefs de commune ont été arrêtés, à l'exception d'un petit nombre d'entre eux. Des policiers ont aussi été arrêtés, des arrestations ont eu lieu dans toute la province. Mais je ne savais pas qui avait ordonné ces arrestations, même si par la suite j'ai entendu dire que dans ma section, c'était l'armée qui avait été nommée responsable. Question. Dans le même document, vous dites que Nguyen était le secrétaire du district responsable de l'économie et que par la suite Yon a été placé à ce poste pour remplacer l'autre. Ma question est la suivante. À votre connaissance, pourquoi y a-t-il eu un tel remaniement? Pourquoi y a-t-il eu des remplacements successifs? Réponse. Après l'arrestation de plusieurs secrétaires de district, membres de comités de district, c'est l'armée qui a assumé ses fonctions. Mais par la suite, il y a eu deux personnes, Nguyen et quelqu'un d'autre,
à savoir Chuuk. Et je pense que ces changements n'étaient pas surprenants. Car une personne seule n'aurait pas pu s'en sortir et il fallait nommer d'autres gens pour donner un coup de main. Question. Sous le régime du Kampuchea démocratique, qui exerçait les responsabilités principales dans le domaine de l'économie? Réponse. Je ne sais pas qui était la personne qui était chargée de l'économie au niveau de tout le pays. Question. Vous avez été interrogé par les co-juges d'instruction. Ils vous ont posé des questions sur le chef de B3. Vous avez dit avoir été chef et vous avez dit que Ping était votre adjoint. Vous avez dit qu'au début, il y avait 450 jeunes. Ensuite, ce chiffre est tombé à environ 200. Vous avez dit que des gens ont été envoyés du district de Tamong. Vous avez dit que ces 200 personnes avaient été accusées d'être des ennemis. Pourquoi est-ce que ces gens vous ont été envoyés et qu'en avez-vous fait? Réponse. En avril 1978, des jeunes ont été envoyés à B3. B3 était utilisé pour y placer des cadres qui avaient été arrêtés. Après que ces cadres avaient été retirés, des jeunes étaient transférés. Au début, il y avait 450 personnes. Elles étaient sous le contrôle de l'armée. L'armée était trop stricte. Et par la suite, on m'a désigné responsable de ces 450 jeunes. Par la suite, il y a eu un autre groupe de jeunes de Tamang. Ces gens ont été placés sous ma supervision dans mon unité. Ces gens étaient là pour donner de l'assistance pour les tâches agricoles. Et le 1er juin 1978, j'ai été transféré vers B3 et l'on m'a demandé de défricher 100 hectares de terrain afin de pouvoir cultiver ces terres. C'était un travail très difficile. 100 hectares à défricher ou à labourer, c'est un travail énorme. C'est la raison pour laquelle nous avions besoin d'aide. Par la suite, je ne sais pas ce qui est arrivé à ces gens qui ont également été retirés. Question. Savez-vous qui a ordonné de retirer ces gens? Réponse. Je n'en sais rien. Le chantier où je travaillais dépendait de Chuuk, secrétaire du district de Sambo, et ensuite peut-être qu'il a dû être envoyé dans le district de Kompongtom. Question. Concernant les sessions de formation politique, est-ce que vous avez assisté à ce type d'activité sous le régime du Kampuchea démocratique?
Réponse. J'ai assisté à plusieurs sessions avec les chefs du district et de la province. Dans le district, les gens étaient aussi membres de la cellule provinciale du parti et donc j'ai dû assister à ces sessions. Question. Avez-vous jamais assisté à des sessions à Phnom Penh? Réponse. Non, je ne suis jamais allé à Phnom Penh à cette époque. Question. Quand vous participiez aux sessions avec les comités de district et de province, est-ce qu'on vous remettait des documents de formation? Réponse. Lors des sessions de formation, on étudiait l'étendard révolutionnaire. Question. À l'époque, saviez-vous qui rédigeait l'étendard révolutionnaire? Réponse. Je savais que c'était le centre du parti qui s'occupait de la publication de l'étendard révolutionnaire. Question. Est-ce que l'étendue... L'interprète se reprend. Est-ce que l'étendard révolutionnaire comprenait les observations faites par les dirigeants du Kampuchea démocratique? Réponse. Cela remonte à longtemps, j'ai peut-être oublié des choses, mais des instructions étaient données concernant la création de coopératives et concernant d'autres choses. Question. À l'époque du Kampuchea démocratique, à quelle fréquence l'étendard révolutionnaire était-il publié? Je ne sais pas exactement. Je recevais un exemplaire uniquement lorsqu'il m'était remis par le comité de district. Question. Savez-vous à quoi servait la distribution de l'étendard révolutionnaire et qui recevait cette publication? Réponse. Seuls les dirigeants du district, par exemple, recevaient ce document. Par exemple, un exemplaire était envoyé au comité de district qui recevait ainsi des directives. Question. Vous souvenez-vous de l'apparence qu'avait la revue Étendard révolutionnaire? Réponse. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais je me souviens qu'un drapeau apparaissait en couverture. C'était un petit drapeau. Procureur. Je n'ai plus de questions à vous poser. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, et merci aux témoins. J'aimerais laisser la parole à mon confrère pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin, le Président.
Je donne la parole au coprocureur international. Le coprocureur international. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bonjour, Monsieur Yun Kim. Je voudrais remonter dans le temps. Premièrement, étiez-vous membre du Parti communiste du Kampuchea? Et si oui, à quel moment en êtes-vous devenu membre et qui vous a fait entrer au parti? Je suis devenu membre du PCK en 1971 et c'est Chad, le secrétaire du parti pour le district de Sambo, qui m'a fait entrer au parti. Question dont le début est inaudible pour l'interprète. Je pense que vous êtes entré au parti dans le district de Croce. À quel moment avez-vous quitté Kreuchma pour aller à Croce? Réponse. Je suis né à Kreuchma, province de Kompong Cham. En 1950, à l'âge de 10 ans, l'insécurité régnait dans le pays. Là où je me trouvais, il y avait des groupes qui extorquaient de l'argent. Mon père n'a pas pu supporter cette pression. On lui avait extorqué de l'argent. Et quand mon père est allé dénoncer ces faits auprès de la police, les policiers eux-mêmes ont extorqué encore plus d'argent. C'est pourquoi nous sommes partis pour Roca Kandal, dans la province de Kratché. Et c'est là que j'ai grandi. C'est là que je suis allé à l'école. Durant ma jeunesse, je suis aussi allé à Vatamak, m'occuper d'agriculture avec les villageois. J'étais célibataire à l'époque. En 1969, je me suis marié. En 1970, il y a eu un coup d'État. Et voilà les événements qui ont eu lieu. Voilà comment ma vie s'est écoulée. Question. Merci pour ces explications. Avant qu'on vous laisse entrer au parti, avez-vous dû subir une formation, une instruction concernant la politique et la ligne du parti? Réponse. Après le coup d'État, la situation était chaotique. Il y avait des opportunistes. Il y a eu plusieurs groupes nationalistes. Il y a des gens qui sont morts. Je ne me suis pas rallié à ces groupes parce que j'avais peur. Je pensais que le mouvement révolutionnaire n'était pas mauvais. J'ai reçu une formation à ce sujet. Et par la suite, les gens du district m'ont recruté et m'ont fait entrer au PCK en tant que membre. Question. Vous avez dit avoir été désigné
chef de la commune de Vatamac en 1971. Vous avez dit que vous êtes resté à ce poste jusqu'à fin 1976. J'ai quelques autres questions à vous poser à présent sur le rôle qui était le vôtre en tant que chef de commune. Premièrement, à quel endroit se trouvait la commune de Vatamac? Réponse. La commune de Vatamac faisait partie du district de Sambo. Avant 1971, la commune de Vatamac se trouvait dans la commune de Kampong Cham, sur l'île de Koh Ronier, l'une des plus grandes îles du Cambodge. De la commune de Vatamac jusqu'à la province de Kratché, il y a une vingtaine de kilomètres, mais il fallait prendre un bac pour traverser le Mekong et pour atteindre cet endroit. Question. Est-ce que la commune de Vatamac se trouvait à l'ouest du Mekong, tandis que le district de Sambo et le district de Kratché se trouvait du côté est du Mekong, exact? Réponse, oui. La commune de Vatamac est sur la rive occidentale du Mekong, près, à côté du district de Prek Prasok. La commune de Sambo se trouve sur la rive est du Mekong. Samdan, c'est une autre commune qui se trouve également à côté de la commune de Vatamac. Il y a une ancienne route qui relie Vatamac à la province de Stung Treng, mais une nouvelle route a été construite et elle conduit jusqu'à Kratché et Stung Treng. Question. En quoi consistaient vos responsabilités en tant que chef de commune? Réponse. En tant que chef de commune, à l'époque du régime du Kampuchea démocratique, mes tâches principales concernaient l'économie, nous nous occupions d'agriculture, les dirigeants nous disaient qu'il fallait mettre en place un système d'irrigation pour l'agriculture locale. En tant que chef de commune, nous devions maintenir l'ordre et accorder toute l'attention requise aux problèmes de santé de la population. Il y avait des hôpitaux, même s'il n'y avait pas assez de médicaments, les gens pouvaient aller à l'hôpital. Il y avait des sages-femmes qualifiées qui pouvaient assister les femmes en couche. Question, y avait-il dans la commune une section militaire et une section de la sécurité? Réponse, oui. Dans la commune, il y avait le chef de commune qui avait la responsabilité générale, puis un adjoint responsable des affaires militaires et un membre qui lui était responsable des affaires économiques. Il y avait un autre membre responsable de la sécurité. Un autre membre, lui, avait la responsabilité des affaires sociales et des coopératives. Donc, 5 membres qui siégeaient au comité à ce niveau-là. Question. Pouvez-vous me décrire la différence entre le rôle de la personne responsable des affaires militaires
et la personne qui avait la responsabilité des questions de sécurité. Quelle était la distinction entre leurs fonctions? Une réponse. La section militaire avait la responsabilité suivante. Assurer la sécurité ou la sûreté de la base. Ça reprend l'interprète. Et s'il y avait un incident, les forces militaires, y compris les milices de la base, s'occupaient de l'incident. Pour ce qui est des questions de sécurité, il n'y avait qu'une ou deux personnes dans cette section. Donc s'il y avait un incident, elle faisait rapport au niveau de la commune ou au niveau supérieur de cet incident. Question. Et pendant la période où vous étiez chef de la commune de Vatanac, qui était votre supérieur immédiat? Réponse. Le niveau supérieur à la commune est le district. Donc c'était ta... Au début, c'était ta... Tchèque, et il a été remplacé par la suite, car il était transféré à Kratchi. Monsieur Pan l'a remplacé. Et ensuite, Monsieur Pan lui aussi a été transféré à Kratchi, et il a été remplacé par Monsieur Ni. En 78, il a été arrêté. Après son arrestation, Monsieur Vern a pris la responsabilité jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens. Okay, thank you for that answer. We'll talk. Question. Je vous remercie beaucoup pour cette réponse. Nous parlerons plus tard aujourd'hui de ces arrestations en 78. Donc, à part la commune de Vatanac, quelles étaient les autres communes du district de Sambo? Réponse. Il y avait, avant 79, il y avait les communes de Vatanac, Somdan, Sambo, Bongknia, Kampong Cham, Kbal Damrei, Autrang, et Srache était la neuvième. Il y avait 9 communes dans le district de Sambo. À l'heure actuelle, la dernière commune n'existe plus. O Trier est la nouvelle commune. Et Anglung Menchay était un nouveau, ou plutôt une nouvelle commune dans le district actuel de Sambo. Question. Et où était situé le bureau du district de Sambo? Réponse. Pendant le Tchet, c'était à Kampong Le, à Koh Nia, à quelques 3 km de Sambo. Et ensuite, c'était sous l'autorité de. Quand Tchet, ensuite, quand Pan a pris le pouvoir, c'était dans le province. C'était à 500 ou 600 mètres du chef-lieu du district, le long de la rivière. Du fleuve Mekong, plutôt. Ça va pour l'interprète. Toujours dans le district de Sambo. You've told us already that there were three districts. Question. Vous nous avez dit qu'il y avait 3 districts dans le secteur 505, le secteur de Kratchi. Le Sambo, Kratchi et Snol, c'était les 3 districts. Pouvez-vous nous dire qui étaient les secrétaires de district pour les districts de Kratchi et de Snol pendant la période du Cambodge démocratique? Réponse.
Je ne connaissais pas la situation dans les districts de Kratie et de Snul. Je ne sais pas qui étaient les secrétaires de ces districts. Quant au district de Sambo, au début, c'était M. Chai qui était secrétaire. Ensuite, il a été transféré. Personne ne l'a remplacé dans cette structure. Mais je pense qu'à l'époque, les chefs de district étaient aussi secrétaires du district. Question. Oui, parlons maintenant un peu du niveau du secteur. Dans vos déclarations aux enquêteurs du juge d'instruction, vous avez dit que le secrétaire du secteur 505 de 1971 à 1976 était Ta Yem. Et que Ta Yi a remplacé Yem à partir de 1976 jusqu'au début de 1978. Et qu'après cette date, c'était Moon. Et donc, pouvez-vous nous dire combien de fois vous avez vu Ta Yem et Yi lorsqu'ils étaient chefs du secteur de Kratie? Réponse. Monsieur Jem Ya était secrétaire du chef-lieu de la province. Il a été transféré et c'est Yi qui l'a remplacé. J'ai rencontré ce secrétaire lors de la conférence au chef-lieu de la province et aussi lors des séances d'études annuelles qui duraient 15 à 20 jours. Et c'était les séances de formation annuelles. Et c'est là que j'ai rencontré le secrétaire de la province. Question. Vous avez parlé donc des conférences au chef-lieu de la province et aux séances d'études annuelles qui duraient 15 à 20 jours. J'aimerais une précision. À part cela, ce que vous venez d'évoquer, y avait-il d'autres conférences auxquelles vous aviez assisté? Ou plutôt, y avait-il d'autres conférences à part les séances de formation et d'études auxquelles vous avez participé au chef-lieu de la province? Réponse. Nous n'allions pas participer à des réunions très fréquemment au chef-lieu. Donc, à part la conférence, il n'y avait pas d'autres réunions. Ces réunions se tenaient surtout au niveau du district. Who all would go to the... Question. Qui participait à ces séances de formation que vous nous avez dit durer 15 à 20 jours? Réponse. Ces séances d'études, il y avait le district, sous-district, et même jusqu'au niveau du village. C'est-à-dire les membres des comités de ces niveaux que je viens de dire. Donc, les personnes qui travaillent dans les bureaux et qui siégeaient à ces comités. Et il y avait aussi les personnes de la province et les militaires qui participaient à ces séances d'études. Question. Vous avez dit à mon confrère, vous avez parlé de séances d'études où vous étudiez les étendards révolutionnaires. Étaient-ce ces mêmes séances d'études annuelles au chef-lieu de la province que vous aviez étudié les documents du parti, enfin les étendards révolutionnaires?
réponse. Toutes les séances d'études auxquelles j'ai participé avaient pour contenu des extraits de Retardat révolutionnaire. Le magazine était le véhicule principal par lequel on nous donnait des instructions. Question. Avez-vous aussi étudié l'étendard révolutionnaire lors de séances d'études au niveau du bureau du district? Réponse. Pendant les séances d'études, on ne lisait pas à voix haute l'étendard révolutionnaire. Les numéros étaient distribués. Mais les séances d'études et leur contenu étaient fondés sur ce qu'il y avait dans cet étendard révolutionnaire. Question pour que je comprenne bien. Quand vous dites que qu'ils étaient distribués, voulez-vous dire qu'on leur faisait circuler, enfin que chacun des participants à la séance d'études recevait un exemplaire, un numéro? Réponse. Il n'y avait que deux exemplaires qui étaient donnés au comité du district et donc n'étaient pas circulés librement. Question. Dois-je comprendre donc que si vous vouliez lire l'étendard révolutionnaire, vous deviez aller au bureau du district? Est-ce exact? Il n'y avait pas de bibliothèque. Si le magazine m'était remis à moi, je le lisais au sein du comité du district. Ce n'était pas ouvert à tous. Ce n'était pas n'importe qui pouvait venir lire les magazines. Le procureur. Merci beaucoup pour cette précision. Dans vos déclarations au juge d'instruction, vous avez aussi nommé deux autres membres du comité du secteur 505. Kuhn, vous avez dit qu'il était responsable des affaires militaires, et Kron, chef des questions de sécurité de 70 à 77. Souvenez-vous d'autres membres du comité du secteur 505? En plus des secrétaires dont nous avons déjà parlé, Kuhn et de Kahn. Souvenez-vous d'autres membres? Réponse. Je me souviens de Kuhn. Et je ne me souviens pas d'autres personnes au niveau du secteur. Kuhn, lui, était à la section militaire au niveau du district, pas au niveau de la province. Quant à Meun, il était au niveau de la province de Kratie, après que Yi ait été arrêté. Meun et Kron sont venus à la province de Kratie. Mais je ne les ai jamais rencontrés en personne. Question. Savez-vous d'où venait Meun quand il a remplacé Ta Yi en tant que secrétaire du secteur? Réponse. Je ne savais pas d'où venait Meun. Question. Sous le Kampuchea démocratique, le secteur de Kratchin était-il un des secteurs indépendants? Réponse.
régime du Cambodge démocratique, d'après ce que je comprenais depuis mon district de Sambo, c'était un secteur autonome et qui était sous le contrôle direct du centre. D'après ce que j'ai compris, c'était dans la zone. Cela faisait partie au début de la zone nord-est. Et par la suite, est devenu un secteur autonome. Question. Et quand le secteur de Kratchi a-t-il été retiré de la zone nord-est et pour en devenir un secteur autonome? Je ne connais pas l'année, mais c'était vers 1977, soit à la fin 76 ou au début 77 que Kratchi est devenu un secteur autonome, mais je n'en suis pas certain. Question. Pouvez-vous nous dire quelle était la différence entre un secteur qui faisait partie d'une zone et un secteur autonome? D'après ma compréhension, lorsqu'un secteur fait partie d'une zone, il devait faire rapport directement à la zone. Les secteurs autonomes, eux, faisaient rapport directement au centre, le centre étant à Phnom Penh, et il ne fallait pas passer par le niveau de la zone. Le procureur, je vous remercie. Mon confrère et moi, nous avons déjà posé un certain nombre de questions sur l'étendard révolutionnaire, mais j'aurais besoin d'une petite précision. Vous souvenez-vous de la période à laquelle vous avez vu ces étendards révolutionnaires? J'aimerais surtout savoir si c'était uniquement pendant la période du Cambodge démocratique ou si vous en aviez vu avant avril 1975. Mais je suis certain que l'étendard révolutionnaire existait après le 17 avril 1975. Le procureur, j'aimerais maintenant passer à un autre sujet. Pouvez-vous me dire quand la province de Kratchi a été libérée par les Khmer Rouges? En quelle année? La province de Kratchi, après le coup d'État de 18 avril 1960, deux mois après le coup d'État du 18 avril 1970, la province de Kratchi a été libérée. À cette époque, les soldats de l'ONOL avaient déjà fui la province. Et les Khmer Rouges ont pris le contrôle de la province à cette date. Question. Quand les Khmer Rouges ont pris le contrôle de la province de Kratchi, au début, les gens avaient-ils toujours le droit de vivre dans les villes et d'avoir des marchés, des commerces? Réponse. Après la libération, en 1970, les marchés étaient toujours en activité.
et les gens tenaient encore leur commerce. La seule différence était dans le transport des marchandises. Parfois, il fallait transporter des marchandises en bicyclette jusqu'à Kampong-tong. Donc, c'est un peu difficile en matière de transport, mais les marchés existaient toujours. Question, vous souvenez-vous d'une période à laquelle les dirigeants étaient préoccupés par le fait que les marchés étaient toujours en activité. Réponse. Je ne me souviens pas. Le procureur, Monsieur le Président, j'aimerais, si, avec votre permission, montrer au témoin un numéro de l'étendard révolutionnaire. Le témoin a indiqué qu'il connaît le magazine. Il s'agit du numéro de août 1975 de l'étendard révolutionnaire que l'on retrouve à la cote E3 par 5. La page que j'aurais citée est aux ORN en Khmer 000-633-16, en anglais 00-401-480-481 et en français 00-538-956. J'aimerais pouvoir afficher les pages à l'écran. Et peut-être avant de commencer, je demanderai, monsieur le témoin, si je vous remets un exemplaire du document, croyez-vous être en mesure de le lire? Ou avez-vous besoin que je vous le lise à voix haute? Inaudible du témoin. Le président. Allez-y. Veuillez remettre le document au témoin. Mr. Witness, the page that I'm going to ask you about is... Le procureur, monsieur le témoin, oui, la page que je vais vous montrer est à 00-06-33-16. Avant de lire cette page, j'aimerais que vous regardiez la page couverture de l'étendard révolutionnaire. Pouvez-vous me dire si cela ressemble aux étendards révolutionnaires dont vous vous souvenez et que vous avez décrit à mon confrère cambodgien? Réponse. Oui. Question. Donc l'extrait que j'aimerais vous citer est le suivant. Je cite. Le marché de Kratier est resté identique, zoom, comme du temps de l'ancienne société. J'ajouterai que l'on décrit ici l'année 1971 dans cet article. Donc, il est écrit, le marché de Kratier était à peu près le même que dans l'ancienne société. Les Honda circulaient, les miliciens, avec ou sans pantalon ou chemise, agissaient toujours comme les maîtres. Quant à nous, nous agissions toujours comme des policiers, comme à l'époque Sihanouk et Lonnol. Donc, les commerces ne pouvaient servir aux besoins de la population et servir la guerre de libération nationale. Et dès la mi-73, il était
nous avions compris qu'il n'y avait pas d'issue. Nous ne pouvions rassembler les peuples, les commerçants étaient les maîtres, ils distribuaient ceci là en termes de marchandises. Et si nous suivions cette voie, il n'y aurait pas d'issue. Est-ce que cela peut-être vous rafraîchit la mémoire qu'il y est venu un moment où le parti s'est inquiété quant à garder les marchés ouverts à Kratchi? Réponse. Pour ce qui est du marché de Kratchi, je n'ai reçu aucune instruction à cet égard. Nous étions situés à une certaine distance du marché. Question. Vous souvenez-vous s'il est venu à un moment où tous les marchés à Kratchi, y compris là où vous étiez, où tous les marchés ont été fermés? Réponse. Je ne m'en souviens pas bien. Dans notre district, il n'y avait pas de marché. Je crois comprendre que la monnaie a été abolie vers 1974. Mais il y avait toujours du commerce. Par exemple, le système du troc fonctionnait au niveau du district. Donc, par exemple, on échangeait des médicaments contre d'autres denrées. Par contre, je ne me souviens pas précisément de la date à laquelle on a fermé les marchés. Je pense que lorsqu'il n'y avait plus de monnaie en circulation, les marchés ont dû fermer. Question. Et vous souvenez-vous? Pourquoi? L'on a mis fin à la circulation de la monnaie à Kratchi en 1974. Réponse. Je ne comprends pas très bien cette situation. Mais il est normal de penser que lorsque l'on a mis fin à la circulation de la monnaie, il fallait fermer le marché. Avant l'abolition de la monnaie, il fallait qu'il y ait les repas collectifs. Et lorsque les gens mangeaient collectivement, il n'y avait plus besoin de faire circuler de la monnaie au sein de la coopérative. For your response. Question. Je vous remercie pour cette réponse, monsieur le témoin, le président. Merci, monsieur le procureur. Le moment est venu de prendre la pause du matin. Nous allons prendre une pause de 20 minutes. Et nous reprendrons à 11h10. Huissier l'audience, veuillez apporter votre soutien au témoin et à son conseil, assurer leur confort pendant la pause et vous assurer qu'ils soient de retour au prétoire avant 11h10. L'audience est suspendue.